Bonsoir, Namaskar. Est-ce que vous aimez le film Je veux dire, est-ce que vous aimez le film que vous voyez se dérouler autour de vous Les bons moments, les mauvais moments, les gentils, les méchants. Les catastrophes, les triomphes. Vous aimez le film Ça tombe bien parce que ce film se joue dans une salle de cinéma appelée Parabrahman, le soi-conscience universel. Il n'y a qu'un fauteuil dans la salle de cinéma. le fauteuil du soir en forme de cœur il y a un projectionniste qui s'appelle monsieur mental et qui projette des formes et des noms sur l'écran de la conscience toutes ces formes et tous ces noms sont impermanents ils ne durent pas mais grâce à la magie du cinéma et à la magie du mental Parfois, certaines choses semblent persister dans l'attention. En réalité, rien de ce qui est perçu ne dure. Tout a un commencement, un milieu et une fin. Et les scènes s'enchaînent à une cadence de plus en plus élevée. Des acteurs disparaissent, d'autres acteurs apparaissent. Le ballet des figurants est incessant, les décors sont multiples, parfois somptueux. Et dans cette salle de cinéma, le spectateur, le témoin, regarde. Il regarde et il est tellement absorbé par le film, des fois, <laughs> qu'il se prend pour un des acteurs. Il pense que ce qui se déroule dans le film lui arrive réellement. C'est mieux que la 3D. Ce qui se passe dans cette salle de cinéma, cette salle de cinéma appelée Barabrahman, c'est que non seulement le spectateur n'est pas un acteur, mais le spectateur est en même temps le projecteur. La salle, l'écran et euh, tout ce qui s'y projette. En fait, ce film est extrêmement ennuyeux. Il ne s'y passe jamais rien. Du point de vue du soi-spectateur, il n'y a pas de temps. Donc le spectateur, soit conscience, glisse un DVD et n'appuiera jamais sur la touche Play. Jamais. C'est M. Mental qui croit qu'une personne a appuyé sur la touche play. Mais personne n'a appuyé sur la touche play. Même pas M. Mental, qui est lui-même une projection sur l'écran de la conscience. Alors comment être surpris par le film Du point de vue de la réalité absolue du soi, du spectateur, le film ne commence jamais et ne finit jamais. Du point de vue de la réalité relative, tout le scénario qui est vu a été écrit, ligne après ligne, par le seul être qui existe, par Abrahman Satchit Ananda, conscience soit universelle. Alors, cette semaine, je ne vais pas vous souhaiter une bonne séance. Non, je vais vous souhaiter une bonne pratique. Ne regardez plus l'écran. Regardez celui qui regarde le film. Par leur grâce, Om Shanti Shanti Shanti.